On est le 23 décembre. Je vais vous montrer ça. Je suis en t-shirt sur mon balcon. Merci le réchauffement climatique. Beauté. Bon, nous sommes arrivés derrière moi, comme vous pouvez voir, c'est M Park. C'est un gros truc, un gros centre commercial. Et en fait, ici, il y a tous les sapins. Donc on va aller chercher un sapin. Je tiens quand même à préciser que nous sommes le 23 décembre. Donc comme on dit, mieux vaut tard que jamais pour prendre les sapins. Donc bon, maintenant le délire ça va être de trouver la bonne taille de sapin. Ouais, il y en a mais c'est défaut. Et la bonne taille de sapin c'est toujours le dilemme annuel. Trop grand, trop petit, trop... Oh, enfin là je fais froid ici. Regardez, on a trouvé le copain sapin de Noël là. On est en train de le ramener, donc bon, il doit faire. Il fait quoi, 1m70 je crois. Oh, merde, maintenant il n'y a plus qu'à le décorer. Et il faut venir, faut aller à la cave reprendre les boules de Noël. Tout ça et tout ça. Regardez, il est trop beau. On a un souci de sapin là. Il est un peu long. On va le tourner. Ah, ça va être bien pour conduire ça. Ça va être bien pour conduire. Regardez pourquoi. Ça va être pas mal ça. Concrètement, le sapin est là. On va aller faire les courses juste à côté là-bas et puis bah voilà. Je sais que vous devez en avoir marre de jamais me voir en fait. Bon, les courses c'est fini. On rentre. C'est plutôt pratique ça. Bon, le sympa est, comme qui dirait, prêt à être boulé. Donc on va aller chercher les boules à la cave. J'ai lu une phrase très intéressante, vu qu'on rentre un peu dans cette période de Noël, parce qu'en fait, quand vous allez voir ce vlog, on sera le 24. Une phrase que mon ami Thomas a tweeté, Thomas que vous avez vu dans ce vlog-là, qui était celui qui est arrivé avec le pull bleu là. Il a tweeté... J'ai plus hâte de donner mes cadeaux que de les recevoir. Je deviens grand. Et je pense que c'est vrai. Le vrai passage à la période de Noël, quand on se dit, tiens, je grandis, c'est quand on est content de donner ses cadeaux que de recevoir les siens. C'est à méditer, ça.
le sapin est en place, il reste plus qu'à le faire. Est-ce qu'il est pas trop beau? Sans déconner, regardez ça. Doré et rouge de partout. Avec le petit truc là-haut qui n'est d'ailleurs pas droit. Faut que je règle. Maintenant je vais manger parce que là j'ai faim. Et voilà les amis, fin de ce vlog. Alors j'ai mangé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Le sapin est fini, regardez, il est là-bas. Regardez, il est pas trop beau? Il est trop beau, ça va, je suis content. Donc voilà, pour cette journée donc, de Noël, on a fait le sapin, je pense que je trouvais ça pas mal. J'espère que le montage vous aura plu. Là, il est très exactement 4h40 du matin. Les cernes sur mes yeux en disent long. Donc je vais me coucher maintenant. Et écoutez, on va se retrouver demain du coup pour l'ouverture de quelques cadeaux que je vais recevoir très certainement pour Noël, hein, tout simplement. Et puis voilà, bah, écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce vlog. Et puis bah... bon et très heureux joyeux Noël à tous. Amusez-vous bien, profitez bien de vos familles, mangez bien. Les régimes, les commencerai en janvier. D'ailleurs, moi, je vais commencer un programme sportif en janvier. Ça va être trop bien, vous verrez. Je vous emmènerai avec moi. Donc voilà, joyeux Noël à tous et portez-vous bien. Salut.